Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ici Wookie88 pour YouTube et Dr. Tui, Mr. Wookie pour Twitch. Ah, enfin. Dr. Tui pour vous servir. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, bon, pas perso, hein, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour le 50e épisode de Speedstorm avec un abo qui vient d'apparaître. Bon, bah, c'est un peu trop tôt, je crois, pour le capturer. Oui. Bah aujourd'hui on va voir ce qu'il y a à faire, hein. Je sais plus déjà ce qu'il y a à faire. Bon, il y a ça, foncez sur l'autoroute du soleil, préparez-vous pour une semaine pleine de promos à durée limitée, ne ratez pas ça et profitez de réductions exclusives et de nouvelles offres chaque jour. Salut gamer! Wow! Croyez que t'étais mort? Croyez qu'il était mort ton Discord? Bon, ça se fait que t'es déjà là. Donc, bon, alors, voyons voir les promos. Ah bah, voilà, vache! Huche! 5000 pièces! Non, mais ils ont fumé la joquette là-dedans. 5000 pièces, c'est équivaut à... 5000 pièces, c'est équivaut à quasiment 35 balles. Huch. Non, pas mouru, bah debout. Oui, non, mais d'habitude, t'es pas là ou t'as pas de notification ou je sais pas trop quoi, donc je suis étonné. Je suis étonné. Je suis étonné. Bon, tout ça, on s'en fout, c'est toujours du pognon, ça c'est du pognon, ça c'est du pognon. Oui, bon, allez vous faire voir avec votre truc. Alors, on prend la boîte, on prend la boîte. Bon, en fait, espèce de lâche, tu t'es barré dès le matin, toi. Alors, ok, bon, il n'y a rien qui se déverrouille. Tuk. Ok, voilà, encore un morceau de Mickey. J'en ai marre de récupérer des bouts de Mickey. Alors, pièce de Angel. Ça c'est utile, ça m'intéresse par contre. Hop. Et elle peut up. Peut la up. Un pilote. Niveau. Angel, j'ai pas d'amélioration. Comme ça, c'est fait. Alors, les missions. Déraper pendant 60 secondes, ok. Réalise 3 acrobaties aériennes dans une course et utiliser 15 compétences arrière. Ok, donc il y a. Bon, il y a un truc qui doit être fait 3 fois, mais ça, c'est pas grave. Mais il n'y a aucune recommandation de personnage ou de type précis. Donc, déraper, acrobatie, 15 compétences arrière. Ok. Déraper, acrobatie. Oh là. Oh. Ah, j'ai cru qu'il était en train de bugger le jeu. Alors, un tank. Oui, si je prends pas la manette, hein, c'est sûr que ça va marcher. Hop. Alors, comment ça va autrement, gamer? Enfin, si t'es toujours là. Ben, généralement, j'avais plus le temps entre préparer pour partir et Pierre-Latte, la tenue du mariage, etc. Ben oui, je suis parti à 5 h, j'en pouvais plus et sur la route, j'ai failli m'arrêter pour dormir. Ouais, ça va. Ah ouais, d'accord. Ah oui, t'es bien crevé, quoi. Bon, ben, moi, j'ai poussé jusqu'à 6 h 15. J'ai aidé à vider, à nettoyer tous les... Deux chats et un château. Comment ça se fait que t'en as trois maintenant, des quatre, t'en avais qu'un? Ouais, j'ai poussé jusqu'à 6 h 15 pour achever, vider les... nettoyer les postes. J'espère que c'est pas les tiens, des chats, hein, parce que ça demande du pognon, hein, à gérer trois chats. Hein. Les caisses, les litières, la bouffe, les... Ça demande énormément, hein. Faut faire attention avec ça.
Non, pas les miens. Ah, ok. Ah, tu m'as fait peur. Je veux dire, ça y est, l'autre, il a un chat depuis quelques jours et puis il en veut d'autres. J'espère que le propriétaire des chats, il te donne de quoi leur donner à bouffer, tout ça. Surtout des chatons, c'est des croquettes spéciales, c'est de la pâté spéciale, s'il faut, c'est du lait spécial. Là j'ai raté la quête, là j'aurais pu la faire mais j'avais oublié qu'il y avait des acrobaties aériennes. À moins que je chope un rail à quelque part pour monter en hauteur. Mais dans cette course il n'y a pas de rail. J'ai tout pour les chats, t'inquiète. Bah j'espère. Je vais me mettre à la chaton tannerie. Et mon fils, comme d'habitude, il leur fait peur. Bah oui, hein, c'est. Il est imbuvable lui avec des bestioles. Hein. Hein, tu vois bien les miens comment ils réagissent, hein, comme je te l'ai dit la dernière fois. Hein. Dès qu'il le voit, il détale. Hein. Je vais me mettre à la chaton tannerie. Ouais, j'ai pas capté ton mot là. Chaton tannerie là. Mais oui, il bouge trop. Bah, et... Non, mais il bouge trop et puis il les emmerde dès qu'il a une seconde de libre, il les emmerde. Donc les chats, ça aime bien dormir, ça aime bien être calme. C'est des animaux qui aiment bien la tranquillité, hein. Garderie de chat, quoi. Ah! Oh là là. Bon, autrement, tu les envoies à la chatontature. Oui, je sais, comme moi. Oui, c'est ça. T'aimes bien la tranquillité. Bah, je sais que t'en fais partie. Mais la chatontature, c'est pour tous les chatons, donc... T'envoies tes chats là-bas. Tu demandes à chaton féroce pour récupérer les trois chats. Aïe, portelte merten. Donc t'as changé de téléphone alors? Si t'as eu la notification du Discord. Je suis un chat comme dans ma vie antérieure. Oh ça moi je sais pas dans quoi que j'étais, dans quelle vie antérieure j'étais hein moi. Et puis même là il me faut trois acrobaties. Il n'y a que deux points d'acrobatie ici. Non, toujours le même. Pas d'argent pour changer de taille. Ah d'accord. Bah, comment ça se fait que tu as eu la notif alors? C'est d'habitude, tu les as pas les notifs. Ah oui, il y a des objets chargés et non chargés. Les non chargés, ils donnent un quart de boost et les chargés, ils la rechargent complète là-bas. Oui, il doit crotter le tel ou la pluie. Bah, je pense que c'est ton tel, hein, parce que
Il y en a beaucoup qui sont sur mon Discord, qui sont sur portable, ils ont les notifs. Hein. Donc ça doit être ton tel qui merdouille. Hein. Ben, je vais rien du tout avant. Bah ben, t'avais quand même le petit point rouge qui apparaissait. Le petit 1 rouge qui apparaissait, ça c'est obligatoire. Comme quoi il y avait un message qui était mis. Les rap pendant 60 secondes, ça c'est fait. Ok. Il faut des objets pour balancer derrière. Là j'en ai deux. Là j'en ai deux. Là j'en ai bah deux, un c'est deux. Ah, j'ai pas vraiment de guignol qui balance des trucs derrière. Même pour les autres personnes que je suis. Rien du tout, ah bon. Ouais bah c'est bizarre hein. Here I go. Oui, oh, c'est bon, t'es pas obligé de te corriger pour une erreur. Hein. Je sais, quand le mot veut dire ce qu'il veut dire, même s'il n'est pas trop bien écrit, je comprends. Je suis, bah je comprends ça. Je te suis ou je suis d'accord, tu vois. Ouais, ça c'était un chargé. Ça c'est un normal. Voilà, un quart. Là, ça, on va rajouter un quart. Voilà, enfin un tiers. Et là, hop là, chargé complet. Ici, appelez-moi monsieur le président. Mais que dalle! Monsieur le président, monsieur le ragondin? Monsieur le duc gnome? Oui! Ça c'est gamer au volant. Ça c'est gamer au volant quand il s'amuse sur la route. C'est pas vrai. Ouais, bon, ok. Il y a pas les drifts, ok. Mais il y a le kilométrage. Non, monsieur le commissaire, je ne connais pas cette personne. J'ai les cheveux qui me grattent. Ok. Alors ça c'est fait. Boost de pilote. Y a-t-il un pilote bonus? Le drift? Ce matin un peu. Tu m'étonnes. Bah, si t'avais la tête dans le huc, hein, c'est un peu normal. Hein. Bon, j'ai personne en normal. Qui sait que je pourrais... récupérer une pièce. C'est que je n'ai pas beaucoup de pièces. Bah tiens Daisy. Pas trop de pièces avec elle. Je vais même drifter mon caleçon. Ah bah tu m'étonnes. Et ben il est beau le calbar. Boost manuel 4 secondes. Déraper 3 secondes. Compétences.
Pour gagner la course? Non. Il faut juste utiliser des rappels. Daisy Duck is on the track. Oui, j'ai débloqué Daisy. Et il y a un rond gris-grou qui vient d'apparaître, un Pokémon goulu, tiercé, type j'ai pas vu parce que c'est qui était un type normal. Stat total 460, effectivement, là il. Je t'ai gardé, je l'ai gardé pour toi dans l'état exprès. Oh, pff, non, c'est bon, je te laisse. Alors, les. Les quêtes de la semaine. Il faut utiliser 75 effets super, enfin super, des attaques super efficaces. Il faut échanger 7 Pokémon de plus de 376 stats total. Il faut rater 16 captures pour récupérer un Angoliath. Il faut participer à 13 batailles publiques en usant un Pokémon de type roche. Non, sol, pardon. Il faut attraper 5 Pokémon avec des Pokéballs. Ouais, bah même signé, c'est bon, je te le laisse, t'inquiète. Tu pourras le vendre sur eBay. C'est peut-être qu'il sera... Ah, faut pas que j'oublie, il faut faire aussi des... Comment ça s'appelle des acrobaties. Bon, j'ai deux tours. Et en une fois, il y a la possibilité d'en faire déjà deux. Même trois. Bébé, ouais, c'est ça, sur bébé. Ciao moche. Ron Gribou s'est échappé, personne n'a attrapé. Hop là, et une capture ratée. Ça m'en fait 4, je crois. Ouais, ça m'en fait 4. Encore 12. Elle récupère l'Angoliath. Alors ça on a fait. Je suis pas sûr, mais je crois qu'on a peut-être fait la quête des compétences arrière. Et puis qu'on a fait à déraper, bien sûr. On a fait juste avant. Et une pièce de Daisy. D'accord, on n'a rien fait. Ok. C'est de l'arnaque. Alors, on va augmenter la canard. Hop. Voilà. Ensuite, attends, on en est où dans les quêtes? Je suis à 8 compétences utilisées et les acrobaties une fois. Enfin, réalisées une fois. Ok. Là, il faut colère, c'est mort. Circuit ensoleillé. Là, il faut Jessie, la bergère, Ralph, c'est tout du niveau 10, j'ai l'impression, à part ici. Les mondes de Ralph, là, il faut forcément Ralph. Là, il faut les mondes de Ralph, il faut Ralph, il faut Vanellope. Alors, on va déjà gagner la course et utiliser 3 compétences spéciales. On va faire ça avec Vanellope. Je
sais plus où c'est pour écrire. Ah, mais quel abrutix. Sur mon Discord ou en message privé? Oui, bah Discord, oui, mais sur en message privé sur Discord ou dans mon Discord normal, dans un sujet n'importe où. Public, moi, on fiche. Ah, t'as déjà marqué un message dans le Nouvel Espoir. Voilà. Alors, les quêtes. Vanellope. Alors, gagner une course et passer sur 10 turboflèches. Ok. Utiliser 3 compétences spéciales, 5 compétences et boost. Enfin, non. Que le kart il fait aimant sur les rails hein. Sinon j'évite de prendre les rails. Parce que sinon, je vais perdre la possibilité de turboflèche et tout le bazar. Il faut passer sur 10 turboflèches. Sinon, dans le trou. Ouais, c'est ça. C'est un nom normalement pour tout ce bordel. Parce que là où t'as mis ton message, où t'as mis ta photo, il n'y a personne qui peut le voir, hein, presque. À part... Permission. À part les modos, quoi.
Simplement. Funeste, tu es de bonne humeur, en plus tu comprends quand je t'écris. Mais je t'en crotte moi. Je suis pas spécialement de bonne humeur. Hop, ça c'est fait, ça c'est fait, et ça c'est fait. Maintenant, on a déjà écoulé trois quêtes. Et là, la prochaine mission, je vais avoir la réplique préférée de ton fils. Je vais tout casser! Tu en fais ce que tu veux après de la toffe. Tu veux que j'en fasse? Voilà. Alors, maintenant, il me faut Ralph, niveau 20. C'est mort. Bah si, hein, regarde. C'est bien marqué, hein, à droite. Enfin, à gauche. Je vais tout casser! Alors, il me faudrait Jesse pour gagner 3 compétences spéciales et étourdir 4 adversaires. Ok. Ok. Alors, Jesse. Je sais déjà plus. Étourdir 4 adversaires et 3 compétences spéciales. Non. Ah, j'ai raté, bordel. Kara, Death viennent encore. Kara, oui, Death, les temps-ci, je l'ai pas vu. Il est juste passé il y a 2 jours en vitesse sur un live pour faire un son et puis il est reparti. Bon, est-ce que j'ai eu l'étourdissement des adversaires ou pas? Normalement, j'ai étourdi tout le monde. Je reviens, on m'a fait hôtel. Ça marche? On a fait les quêtes. Oui, on les a fait. Hop, je vais tout casser. Récompense. Je vais tout casser. 4 pièces de Ralph. 1000 pièces d'Amelio. Et j'avais déjà la devise. Eh, 2000 boules, hein, la truc. Oh, ok. Voilà. Alors, maintenant, il me faut Ralph.
Il est à quel niveau, Ralph? Est-ce qu'il est loin du level 20? Oui. Oh oui. Au 14. 14 alors que, que le minimum c'est niveau 20. C'est même pas trop la peine d'essayer. Hein. Là c'est du niveau 10. Ah là il faut 20. Hein. Niveau 10. Donc niveau 10 ça me récupère deux pièces de Jesse. Il faut gagner la course et utiliser 8 compétences. Ok. Alors, il y a un Avalto qui vient d'apparaître. Pokémon sac poison, tier B, type poison. Stat total 467, Effectiball, la Cipher et la Heal. Ça fait pas partie des quêtes, des quêtes de la semaine. Spécifiquement, mais ça en fait quand même partie. C'est quoi la quête? Ah, utiliser une compétence. Okay. Level up pour gamer, niveau 49, GG. Ah, Valtou, il a été attrapé par le Wookie. C'est naze. Il me colle l'autre derrière là. Je sais pas c'est qui mais. Ah c'est Anna qui me collait. Hop, 2 pièces de Jesse. Ah, si les 4 objets sont finis, je récupère 10 pièces de mopette. Et ben c'est mort. Ok, on a gagné quelques pièces. Hop, utiliser 4 compétences arrière. Et maintenant, il y a encore les acrobaties aériennes. Alors, la bergère, c'est niveau 20. Est-ce qu'elle est level 20 la mienne? Non. Elle est 17. Un peu dur, hein, parce que là il faut gagner la course. Hop, casse-toi. Gagne et effectue des boosts de dérapage 6 fois. Là, on va le faire comme ça. On va le faire en deux parties. Voilà, c'est gagne et effectue des boosts de dérapage. Oui, c'est ça. Oh.
là, ça va être facile à faire les acrobaties aériennes. Hein. Cassez-vous! J'ai le droit de vivre! Bande de chacal! Par contre, je crois pas que j'ai fait boost de dérapage. Non. On va essayer. Ah oui, je voulais faire les acrobaties aériennes, donc... Ah bah voilà, on récupère deux pièces de vanet. Bah les pièces de vanet, je commence à les entasser, hein, mais j'ai pas les améliorations qui vont pour. Ok. Alors, là il y a la Rentenesh. La Rentenesh. Olaf niveau 12. Anna 12. Hans 14, on peut améliorer d'un point, 15. J'ai pas d'autres NDNS, le plus c'est Hans. Ça m'arrange pas parce que c'est une brute. Là c'est le level limite pour la course. Utilisez le boost manuel pendant 30 secondes. Ah, il faut pas forcément gagner.
Un petit délai de boost 30 secondes, c'est la moitié de la course. Ouais, tu disais le boss manuel 30 secondes, c'est la moitié de la course. Bon, on va faire comme ça. Comme ça, on aura peut-être un circuit plus long. Bon, même si je gagne pas, c'est pas grave, parce que l'objectif, c'est utiliser le boost manuel 30 secondes. Ils ne disent pas de gagner et utiliser le boost. C'est quoi, c'est oui. Casse-toi le canard. Ah, la charogne. Non mais sérieux, utilisez le boost manuel pendant 30 secondes. Pourquoi qui me l'a pas pris? La Reine des Neiges demandait. Bon, on va prendre Anna alors. C'est utiliser le boost manuel, c'est le boost qu'on utilise avec le dérapage. Ah, et puis c'est à nouveau le circuit là. Je peux rien faire sur ce circuit. Non, il veut pas me la prendre. Bon bah tant pis. Hein. Bon, c'est pour récupérer quoi en plus? Ouais, des pièces de pingouin, je m'en fous. Alors là, il faut... Bah là, il faut Anna. Alors,
Mais il y a un Bleuzeil qui vient d'apparaître, Pokémon Corbeau. Ok. Tiercé, type vol, stat total 365. Pas de balles effet chaos, rien de spécial. Alder. Donc là, il me faut Anna niveau 20. Ou sa sucrerie. Bon, on va prendre sa sucrerie. Alors, 5 compétences et utiliser le boost manuel. Mais non, on s'en fout de boost manuel. Pourquoi qu'il me le met à chaque fois? Ah, puis c'est Jesse que j'ai pris. Bon, attends, je vais quitter la course, c'est pas la peine. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un bug là. Je l'ai fait avec. Je l'ai fait l'utilisation des 30 secondes du boost manuel. Surtout dans la course Toy Story, j'ai fait plus que 30 secondes. Hein. Hop. Pense. Alors, Blanzeil s'est échappé. GG. Alors, il se relance le jeu là ou bien? Ouais. Pom pom pom. Allez, là. Non, bon, on va bientôt passer au niveau supérieur du pass. Donc. C'est qui c'était eux? Alors, continuer. La sucrerie. Ah bon, on est à Arendelle en plus. Alors, la reine des neiges, non, c'est de la scorie. Donc, gagner la course, hein, compétence. Glisser sur un rail. Et des boosts de dérapage. Compétences, j'ai déjà oublié. Ah oui, glisse sur un rail. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas eu la topographie de la carte comme ça. Oh.
Hop. Oh, croque. Alors, régulonnec, c'était là. Ah bah c'est bon. Ok, non, on récupère plein de pièces d'un coup. Ah, ça m'intéresserait la récompense là. Les drones. Et on peut faire grimper de level à Anna. Ah, il faut les 4 objectifs. Ah oui, bah c'est pas faisable. Ah non, un objectif restant pour le faire. Ok. Bah, je vais peut-être le récupérer alors. Anna. En novice. Niveau 10. Ok, ça c'est faisable. 4 acrobaties aériennes. Oui, j'allais dire, merde, je l'ai pas, bah si. C'est l'autre que j'ai pas. La l'idée est délivrée. Bon, acrobatie aérienne au lieu de dire des conneries ou qui? Ah, il faut gagner. Ah oui, il faut gagner la course. C'est déjà pas en démarrant en 6ème que ça pourra aider, hein. Ah, prendre la lune, prendre la 2. Prendre la 3. Et la 4ème. Bon, on a déjà réussi l'objectif. Non, il faut garder la première. Les deux qui me talonnent, hein. C'est bon. On a fait les acrobaties et on a fini. Enfin, on a gagné. Et on récupère l'aileron. Ah, en plus, c'est pour Anna, l'aileron. Hop. Alors, la reine des neiges, niveau 15. Donc, là, c'est niveau 20. Donc, la reine des neiges, niveau 15. Utilise le boost manuel pendant 30 secondes. On a un nouvel aileron. On se met direct dessus. Et roue papillon. Hop, nickel. Niveau 15. Donc on va réussir avec le Hans. Hein. Utilise le boost pendant 30 secondes. Yeah,
Y a pas moyen. Pourquoi qu'il veut pas me le faire, bordel? Moi que je sois débile. Pilote. Collection. Ah non, Hans, il est bien de la Reine des Neiges. Pourquoi que ça ne marche pas? À tous les coups, il faut Elsa. Ils mettent juste la Reine des Neiges, alors que c'est le nom de la franchise. Il m'étonnerait pas, ils sont tellement débiles des fois dans Speedstorm, qu'il faut pas chercher le midi à 14h. Décidément, il y en a des. Trois tritons, Ursula, Hortensia, Oswald, la petite sirène, Ursula. Bon, je peux faire aucune. Tout ça, c'est fait. Alors ça. Oh la Reine des Neiges, utilisez le boost manuel. Mais elle est encore là la quête. Elle est à plusieurs endroits, utilisez le boost manuel pendant 30 secondes. Bah. Elle est en double. Allez même. Reine des Neiges, Anna, Kaloun, Elsa. Ah non, c'est pas les mêmes. On va essayer dans celle-là. Sounds like the winds of change. I'd say you've met your match. Ah oui, c'est la petite course, ça. Toi, utiliser la moitié du circuit le boost manuel, c'est infaisable. Bah, je suis pas assez bon pour le faire. Qu'il faut le charger à bloc là, avec les doubles mais ici c'est pas possible, y a pas ce qu'il faut pour le faire ça. Allez, y a pas moyen. Il y a un Batrachné sauvage qui va apparaître. Pokémon vibration, tire B type au sol. C'est total 384, Effectiball, la nette. Alors on abandonne les quêtes là, c'est pas la peine, c'est de la connerie. Dégoût niveau 25. Et niveau 19, c'est mort. Ah non, niveau 20. On va la tenter. Et non, ils m'ont mis en niveau 25. Ces bandes de chiens. Oh mais c'est pas possible, c'est complètement buggé les jours-ci, le jeu là. J'avais choisi niveau 19. Ah, il a gagné la course et tous les trois adversaires, c'est mort. Voilà, on perd une course pour rien. Niveau recommandé, 20. J'appuie. Ils vont recommander 20, là oui. Et bah, je vais pas le faire avec elle, hein. C'est cuit. Ils vont recommander 25. Ah. Oh. Je comprends pas comment ça se fait que ça se remet à chaque fois au niveau supérieur. Normalement, quand on enchaîne les courses, ça bouge pas du choix qu'on a fait. Quoi? Gagner la course et étourdir 3 adversaires. Ok. Mmh.
À chaque fois, j'oublie qu'on peut passer dans le truc rose là. Ah, j'ai encore attrapé le bestiau. J'ai fumé à la fin. Bon, j'ai étourdi les adversaires, j'ai gagné la course, donc j'aurai au moins une double récompense. Gagner la course. Enfin, gagner la course et étourdir trois adversaires. El Gacha, ok. Une pièce de dégoût, ça c'est cool. Voilà. J'ai 120 améliorations, ça sert à rien de regarder pour la faire évoluer. Y a pas. Ensuite, bon, on part comme là, ben, les quêtes défi quotidien. Pour Hercule, pour 20. Hercule, il est où, de où, sa boutique. Hop. Zendler. Il faut déraper, je crois. Gagner une course avec lui. Bon. Deux compétences chargées, compétences spéciales. Top 3. Compétences chargées, compétences spéciales. La compétence spéciale. La compétence spéciale. Compétence chargée. À mon avis, pour réussir une des courses de déraper, il faut prendre un personnage de la Reine des Neiges qui a la possibilité d'obtenir le gros turbo. Enfin, le boost là. Et quand on l'a, le charger. Parce qu'avec le boost normal, on ne peut pas faire l'utiliser 30 secondes. Hop, compétences chargées, atteindre le top 3, gagner une course avec un pilote de Hercule, et une compétence spéciale. Ok. Quel? Attends, je vais voir, je vais voir. Là c'est la Reine des Neiges niveau 15. Donc la Reine des Neiges. De manière il faut gagner. Lui il n'a pas le boost. Enfin faut utiliser. Lui il a le boost. Il n'a pas le niveau mais je m'en bip. Les steaks.
Donc, il faut utiliser le boost pendant 30 secondes. Là, il faut récupérer du boost. Hein. Voilà, parfait. Là, je charge et je lance. En plus, je gagne la course. Donc là, normalement, je l'ai fait. Ah, bah enfin. Ouais, donc c'est, il faut un personnage qui trace avec le... Ah, mais bon, aussi, t'as le boost et t'as le boost en compétence. T'as le boost que tu gagnes en glissant et le boost que tu gagnes en compétence. C'est chiant aussi à différencier, quoi. Anna, niveau 20. C'est mort. Là, c'est pareil alors. J'ai le boost manuel pendant 30 secondes. Le problème, c'est le petit circuit, ça. Donc déjà, il faudrait que j'arrive à faire un bon démarrage. Je crois que ça augmente un peu le boost. Ensuite, il me faut un boost de démarrage. Voilà. Hop, et on le lance. Mais aussi la course elle dure quoi, elle dure pas longtemps quoi, c'est ça qui est chiant. Elle dure que 56 secondes la course, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est le problème, il faut que je charge le boost manuel et puis que je puisse que je charge déjà. Il faudrait que j'ai dès le début le boost. Voilà.
Ah putain. C'est dur à faire là pour ce niveau. Ah bah enfin. Bon. Ok, c'est chiant. Mais c'est faisable. Mais enfin, comme tout objectif. Hein. Surtout pour récupérer ça. Bon bah maintenant c'est. C'est niveau 20 minimum. Et la bergère comme Ralph ne sont pas assez élevées. Hop, tout a commencé avec un rat. Maintenant, on s'en fout, il n'y a plus de quête précise à faire. Hop, je prends ma cocotte. Ah, j'ai ma manette qui commence à avoir faim, moi. Hop. Hop. Comme le avec mes. Bref. Y a un Zeblitz qui vient d'apparaître, Pokémon Foudre Lake, tier B. Stat total 497, Effective Ball, Magnet et Fast. Alors, 5 compétences, top 3, utiliser le boost, ok. Bah, le top 3 ça va pas être difficile. Le boost manuel ça va pas être difficile non plus. Voilà. Et les compétences. Maintenant c'est plus que le top 3. Je crois qu'il n'y a plus que ça. Oui, le top 3. Zeblitz s'est échappé, personne n'a attrapé. Obligé. Parce que ça compte dans les tentatives de capture. Enfin, les ratages de capture, pardon. Miss the catch. Là, je suis en train de partir dans tous les sens. Hop là. Tchoum. Nickel. Ah, c'était utiliser le boost 8 secondes. Bah oui, je l'avais lu, mais j'ai pas calculé.
Allez, on a atteint la centième pièce de souris. Alors, Jasmine niveau 1-2, c'est mort. Elle gagne la course et dérape pendant 30 secondes. Ok. Quand je lance le boost, j'ai l'impression que le quartier va s'envoler. Ou il va s'en retourner. Ah oui, hein, je les ai fait les 30 secondes de dérapage. Hein. Ah, faire quoi? Ah, on débloque le prince Ahmed. Ah, je crois que ça se dit comme ça, les cheveux, ça se dit Ah. Enfin, bon, en plus, c'est un équipier qui vaut que dalle. Mais là, c'est du 20 secondes, quoi. Du 22 recommandé. Hein. Moi, ma Jasmine, elle y est pas. Hein. Ah, ma Jasmine est niveau 1. Oh, quoi que. Elle est 22. On peut peut-être tenter. Elle est à la limite. Très cool de pouvoir récupérer deux gachas. Déraper 30 secondes et glisser sur un rail pendant au moins 6 secondes. Ok. Donc, c'est le même circuit. Donc, il y a déjà un rail en haut. Ah, il y a déjà un rail ici. Purée, je l'ai raté, grand. Là, il y a un autre rail. Purée, il m'a poussé dans la lave, cette charogne. Thank you.
bouffer mon propre lion. Ah, j'ai fait les deux. Nickel. Elle était dure quand même, elle était chaude la course, hein, quand même. Alors, dromadaire, ça vaut que dalle. Le sultan, ça vaut que dalle. Le drome, que de la merde. Je me suis cassé la tête pour gagner quoi? De la merde. En récompense, super. Daisy, c'est niveau 16 minimum. Daisy est niveau 11, c'est bon. Là, il faut gagner la course et déraper pendant 20 secondes. Ok. On va prendre un super rapide. Déraper pendant 20 secondes, hein, c'est ce que j'ai dit. Gagne la course et dérape pendant 20 secondes, oui. Et bah c'est pas assez en faisant jouer sur les rails que je vais déraper 20 secondes moi. Bon, c'est pas difficile hein. C'est un circuit assez court, donc assez rapide. Je crois qu'on peut pas mettre plusieurs effets en même temps. On peut en mettre deux, mais je crois qu'on peut pas en compiler plus. Je pense pas qu'on peut en compiler trois par exemple. Hop, on récupère le gacha. On récupère Wilbur. Est-ce qu'il vaut le coup ou pas? C'est une daube. Et hop, on passe au niveau 52 du pass d'or. Ouais, bof. Et on refait la course encore une fois. Récupérer encore un gacha. Après, on vérifie. C'est une pièce de violette hein, qu'on va récupérer dans le pass d'or. On vérifie en vitesse s'il n'y a rien à faire au niveau des chapitres. Ah, il y a deux tours ce coup-ci. C'est pas le même circuit. C'est bouffé mon machin, mon inverseur de commande.
Ah oui, effectivement, il est grand le circuit. Prends fais gaffe. Il y a un boule de nœud qui vient d'apparaître, Pokémon Vigne, tier B, type plonge. Ça total 535, effectivement, là il... Bon, il perd ça. Une pièce de Daisy. Bien, ok. Alors, passe d'or, récupérer récompense. On a récupéré une piécette nucal. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui m'intéresserait? Alors il est là niveau 20, donc 20 pièces, donc ça veut dire qu'elle passe niveau 2. Je pourrais peut-être récupérer des pièces de dégoût, ça pourrait être pas trop mal. On va en tenter un. Oh bah on débloque quelque chose. Ah on va débloquer le père de Riley. Ah non, c'est prêt à gagner une étoile. Ouais bon. Je l'ai pas équipé, il m'intéresse pas. Parce que j'ai déjà le truc doré, donc on va prendre aussi un machin là. Et boule de neuf s'est échappé, personne n'a attrapé. GG, ça compte dans les quêtes. 22, 6, 6. Ok, pourrait éventuellement avoir d'intéressant. Bana signifie famille, bon ça merci, on le sait. Bon, on va en tenter un. Hop, j'ai pas vu ce que c'était. J'étais trop vite. Bon bah tant pis. ça c'est le livre de la jungle, donc on s'en fout un peu. Plus que 12 pour gagner une étoile, plus que 5 pour gagner une étoile, plus que 3 pour donner. Non, c'est mort ça. Non. Ok. Alors, saison. Ah, il y a des nouvelles capacités, des nouvelles compétences. En haut, oh, il y a tout le monde. Gagner 15 courses avec Viseur Star, niveau 20. Ok. Terminer 15 courses. Ouais, OMJ, c'est mort. C'est tour 10, 60 adversaires avec Shang. Oh, ça va être longue celle-là. Là, c'est activer 5 boosts manuels dans une course. Tour 10, 30 adversaires. Des 10 compétences dans une course. Oh, ah, ça va être des longues, hein, celle-là. Puis pas spécialement intéressante. Bon. Du MJ là, et vice versa. Ouais, bon, on verra ça demain. J'ai pas envie de. Comme j'ai un petit peu mal le crâne.
Après, combien de points autrement? 600. Ah, c'est tout des roses quand même. Alors, ça gagne 15 courses à l'exercice. On peut déjà en faire quelques-unes, ce serait déjà pas trop mal. Et à l'usine, peut-être en faire deux. Activer 40 boosts de démarrage à l'usine. Faut déjà trouver l'usine. Non. Ça c'est quoi? C'est donc manière il me faut pas avec un personnage obligatoire. Bah, je crois. Attends, il faut activer des quêtes. Oh, je sais plus. À l'usine, faut activer 40 boosts de dérapage et il faut gagner 15 courses avec du vice versa. Et terminer des courses. On peut en faire 3 en une fois. Il me faudrait une mission à l'usine. Non. Il me faut forcément avec un pilote libre. Non. Là, je ne sais pas où c'est. Ça c'est le livre de la jungle. Exact, ça c'est Mulan, il me semble. Allée de l'adrénaline, je sais pas. La jungle. Belle et la bête. Chasse aux portes. Ça c'est à l'usine. Et il faut du vice versa. Nickel, bon, on va faire ça. Et il faut activer des boosts de dérapage. Terminer, gagner. Bon, par contre, les boosts de démarrage, je sais combien. De dérapage, pardon. Dès qu'on a fait les boosts de dérapage à l'usine, on se fait plus chier, hein. On part sur une autre course. Hein. Je pense qu'il me va me faire je crois, deux courses quand même pour faire les 40 dérapages. Hop, on la refait.
pense qu'avec la course là, ça devrait être bon pour les dérapages. Dégage. Est-ce qu'il faut qu'ils soient activés ou est-ce que juste faire le fait de les déraper, de les faire, ne fonctionne pas? Il faut voir quoi. Est-ce que ça marche quand on a déjà le boost actif? On les a fait ou pas? Oui. Hein? Ok. Alors maintenant, il faut terminer des courses et gagner des courses avec vice versa. On va voir. Alors, on va déjà vérifier à combien qu'on en est. Faire un test là. 10 compétences dans une course. Bon, ça, il me faut un sprinter. Gagne 15 courses, donc je suis à 2. Ah mince, c'est... Gagner 15 courses. Oui, ça gagne 15 courses. Vice versa. Allez, le MJ classé, là, c'est... Vice versa, c'est en MJ. Terminé. Donc on va continuer et gagner. Je suis à 2. On va faire un test. C'est un tour. Bon, il est un peu long. Mais ça devrait aller assez vite à le faire. Bon, Marc, je pourrais le faire en MJ, mais le problème c'est que les deux vice versa ont déjà du RMJ fait. Donc ça va être plus compliqué de gagner les courses. Terminer les courses, c'est pas trop un problème, hein, ça. Hop. C'est une minute pour une course. C'est bon, on va voir si ça a été pris en compte ou pas.
Gagner 15 courses, oui, ça prend en compte. Ok. On va juste faire ça. Avec la souris, ça ira pas plus vite. Est-ce que c'est un petit tour? Est-ce que c'est deux tours? Est-ce que c'est cinq tours? You wanna make a trade? Your soul for a win. Pardon. D'accord, c'est deux tours. Mais c'est un circuit long. Ouais, bon, on va le faire, mais... Oh non, il va être trop long. Et il y a un Girafarig qui vient d'apparaître. Pokémon long coup, tiré B, type normal, psy. Total 455, effective ball, lacifeur. Là, bon, il n'y a rien de spécialement passionnant, c'est juste voir les mêmes circuits en boucle, quoi. Et je préfère le faire, parce que comme ça, bon, je pourrais en profiter hein, en plus avec les défis du jour, hein, ça serait fait automatiquement. Hein. Remarquez, quoi que ça peut-être mieux. En faisant les circuits normaux et tout ça, ça fait terminer les courses et tout. Ouais, je pense que je vais faire ça. Et Girafarig a été attrapé par le Wookiee. Et zut. Oh, j'ai un coup de barre là. Ça a été validé, bah oui. Hein. J'ai 10 compétences dans une course. Ouch. Bon, ça c'est assez faisable, hein. Sprinter niveau 25. Tu mets un 2 tours. Ok, on va peut-être la faire, allez. Hop. Un sprinter. Non, pas Vanellope, elle est trop rapide. Et Mowgli. 10 compétences. 10 compétences dans une course. Ah. Est-ce qu'il y a les 10 objets? Bon, on va voir si on les rate pas, si on n'en rate pas un seul. Hein. Donc 1. 2. 3. Il n'y a pas eu. Il n'y a que 7 objets pour un tour. Au niveau 5, hein, attention. Il y a 2 tours sur le même circuit, c'est faisable. Assez vite. De manière, il faut un sprinter. Hein, il n'y a pas.
Là, pareil, un tour et il a l'air plus long le circuit. Donc ça devrait être bon. Alors, 1. Le circuit est encore plus long, mais il y a moins d'objets. 3, 2, 1. Bon, on va aller faire le circuit avec le rat. Ah, on va faire celui-là, il est long, mais... Moi, je pense qu'on sera les 10 objets. Hein. Le rail, je vais en perdre. 3. Ok, 7 en un tour. Donc il en faut 10, donc ça va. 8. 9. 3 accélérés, combien il en faut 10, là j'en ai plusieurs sur la route. Et le 10. De toute manière, comme je prends quasiment tous les objets qui traînent. C'est quand même long, hein. Il y en a combien à faire déjà? 8. Ah oui, 8. Ah, purée, c'est avec un sprinter niveau 25. Que dalle. Reviens ici toi. Pour un sprinter, j'en mets un sprinter. Il faut le niveau 25, je leur fous un 40 dans le nez. Par contre là ça va être un peu...
comme ça. Donc là, ça devrait être passé à 4 normalement. Ah oui, c'est les compétences d'une course. Oui, dans le 4, c'est bon, c'est passé. Oh. Oh. Je suis dans la moitié là. On fait une course. Sans l'objet du début, la 11e est après le pont. Enfin, avant le pont, pardon. Enfin, sous le pont. Finir comme ça. Hop, de deux déjà. Trois. Et il y a un Rhinocorne qui vient d'apparaître, Pokémon piquant, TRC, type Sol Roche. Total 355, Effective Ball, la Netball. Hop. Thank you.
une corne s'est échappée. GG. Oh boy. Hop, on défonce le lampadaire ou pas trop. Ok. Attendez, on est 4. Je crois que là ça fait 5. 3. 4. Non, ça c'est la 5e. Ou la 6e. Oh, je sais plus. Pardon. Ah, je pense que je vais finir ça en ligne. Je commente à moitié. Et là, comme justement je dors à moitié, je parle un peu moins. On verra bien, je verrai bien au niveau du nombre d'objets, de n'importe quoi. De missions, le nombre, enfin bref, voir combien il reste à faire pour le truc du sprinter. Hop là. Déjà la quête n'est pas finie, il n'y a pas eu de notif. Alors, encore une fois. C'est pas la 5e ni la 6e, c'était la 7e. Et courage, la dernière. Pour le premier tour, j'évite de prendre les rails et tout ça. Comme ça, ça me permettra au deuxième tour d'avoir juste de récupérer un ou deux objets. Et ce serait bon. Voilà, je peux parce que je sais qu'en bas, il n'y en a qu'un. Ah non, je crois qu'il y en a deux en fait en bas. Bon, il faudrait que je passe en bas pour voir au tour d'après. Enfin, de ne pas passer, de ne pas monter sur le deuxième rail quoi.
Ouais, j'étais droit dessus, mais j'ai même pas réagi pour monter dessus. Et un objet. Non, c'est pareil, il n'y a qu'un seul objet en haut comme en bas. Voilà. Utiliser des compétences dans une course. Ok. Attends, j'ai rien à faire là. Non. J'ouvre dans 15 jours. Purée. On a le temps de mourir d'ici là. Il y en a que deux autres de prévu. Bien, bon, on va se stopper là, les amis. Après, donc, il y a un Pokémon, non. Donc, c'était Dr. Chewy, Mr. Wookie, ainsi que Wookie88. J'espère que ça vous a plu. Bon, quand même, 2h10 de vidéo. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, le pouce, la cloche, le petit partage, enfin bref, hein, vous connaissez tous les trucs. Hein, bref, je suis perdu moi. Oui, enfin bref, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord et Twitch, hein, donc les liens seront dans la description. J'ai un message. Regardera après. Il n'y a pas possibilité de faire un raid des fois. Bon, je suis tout seul, ça sert à rien. En plus, il y a. Bon, l'outil, comment il a encore changé son pseudo? Il a mis un pseudo complètement débile. Bon, bref. Non, bon, il y a personne. Donc, les liens sont dans la description, hein, comme je disais juste avant. Avant de regarder s'il y avait un raid. Sur ce, le Dr. Chewy vous dit, ciao babouille. Bisous.